Bonjour ces internautes de Sport Inter. Tay nak dama ñëw fasiyene waxtaan ak yeen ci nga xamanteni moy la publication de la liste des 26 joueurs de sélectionneurs pour les matchs du Sénégal contre la RD Congo mais également contre la Mauritanie le 6 juin 2024 à Dakar et le 9 juin 2024 à Nouakchott. Donc match yoy mom moy doon match yo xamanteni ci walu éliminatoire de la Coupe du monde 2026 troisième journée 4e journée bi inshallah ñu ko wara jouer ci mois de juin bi. Xam ngeen ni tay vendredi Aliou Cissé génn na liste bi la liste des 26 joueurs yo xamanteni ñoom ñoo wara jouer ñaari jongante yi ami solo. Tay bo la xolé liste bi amna quelques changements mais également ñi nga xamanteni jagon na ñew ci liste bi à l'image de les cadres comme Edouard Mendy ñew na Seni Dieng les deux gardiens Mari Diaw ak Seni Dieng ñew nañ. En défense gis nañ Ablaye Seck ñew na Formose Mendy Kalidou Koulibaly mais également à part de 6 Moussa Niakhaté ak ko xamanteni moy Seydou Sano te muy jé ci Niarafa FC Fatick Qatar. On a vu également Papa Alassane Gueye ñew na Idrissa Gana Gueye Nampes Mendy Abdou Diallo Mikael Faye xamni muy jé FC Barcelone Bamakar Sarr également Lamine Camara Iliman Ndiaye Habib Diarra Strasbourg la nek France John Lopi champion Espagne jé fele ci Almeria wo nañ ko ko xamanteni moy Aruna Sangate également ñu la avum Cheikh Ndiaye mom nak bi première fois ñu koy convoquer ci équipe nationale mi ngi daal di jouer ko xamanteni moy championnat Serbie di Crvena Zvezda wala nek nga xamanteni moy Sadio Mané également won ko Ismaël Sarr Nicolas Jackson ak Abdallah Sima donc ñu ñu nek liste de 26 joueurs yo xamné Aliou Cissé ñom la convoquer donc jangal biñu jëk def ci liste moy ci kaw amul latéral gauche parce que bo xolé nga xamanteni moy Ismaël Jacobs dafa blessé ak le bo xamné AS Monaco Fo de Ballon d'Or également dafa blessé donc Aliou Cissé convaincu wulen mais bo xolé convaincu wulen waye outul ce changement ba bo xolé ci effectivement mu jël tay il y a pas latéral gauche de métier mais en conférence de presse Aliou Cissé s'est justifié néna nga xamanteni moy Abdou Diallo Mikael Faye mën nañ compenser yi nga xamanteni mom moy absence ñaari joge yi non ñu déglu ko ci Aliou Cissé mu apporter précision yi non aussi voir la chose autrement de gagner effectivement comme vous dites d'autres joueurs capables de se passer là je crois que le groupe a assez de qualités assez de joueurs polyvalents capables de pallier aux absences jusqu'à de Jacob et aux absences de Benjamin Diatta. Je le dis, je le répète aussi, le débat tourne toujours au niveau des postes. Le poste est important et je le dis, je le répète encore. Mais je crois que ce qui est important, c'est surtout le positionnement où le joueur joue. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de défenseur latéral de formation. Mais Abdou Diallo a déjà joué à ce poste-là, mais Mikael Faye est un garçon qui est capable de jouer à ce poste-là aussi. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, le groupe est assez équilibré. Et les garçons qui sont là, ils sont capables de jouer n'importe où sur le terrain. C'est l'animation qui est importante. Mais les autres joueurs, oui, nous les voyons aussi. Nous savons qu'ils sont capables de donner un nouveau rejoint et un nouveau jeu. Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas de problème dans les couloirs. On a une idée et on palliera en réalité aux absences. Waouh, bon, comme vous le voyez, Aliou Cissé, une éclairage, c'est un peu d'absence de deux enfants. Bon, buñu jogé ci lool ñu wax ci milieu terrain parce que milieu terrain gis nañ Kandé Diall le Sénégal avait bien débuté mais par la suite contre la Côte d'Ivoire on a eu quelques difficultés notamment avec les deux jeunes yo xamanteni manque d'expérience bi ñu bari décrir won ko xamanteni moy Amara Sarr et Lamine Camara bien vrai que cette saison Amara Sarr il a beaucoup joué avec son club nga xamanteni moy Tottenham qui nga xamanteni moy Lamine Camara joué né égal FC match début saison mais par la suite fin de saison dafa perte classe nga xamanteni temps de jeu dafa wañéku lol donc mën nañ yaakaar né ñaar xalé yo non nga lañ gëna mëna woné seen xar kanam ci équipe bi tant plus que nga xamanteni moy Gana Gueye ñu wanda en force bo xolé Everton tay Everton rel en Premier League Gana bokku li nga xamanteni ñu ñoo jappalé Everton ba mu maintenir en Premier League joué na match yu bari dougal na également des buts décisifs nga xamanteni moy saison bi waaw ñu noté également absence ci Kouyaté également avec Nottingham Forest il n'a pas beaucoup joué dans son club lool mo tax nga xamanteni Aliou Cissé wowo ko bi may première fois sous l'œil Aliou Cissé Kouyaté wowo ñu ko ci national donc lool c'est une information de taille bon à part ça rek
mon avis, l'absence de Boulaya c'est tout à fait normal parce que Boulaya actuellement que le bon football bon saison bi bo xolé match bi beuy football ko parce qu'il était en conflit avec son entraîneur mo taxone ñu écarté l'ancien attaquant la Reims. Donc Aliou Cissé de la préférer miser sur la continuité, sur ses idéologies, sur son système. Mom nak wo nga xamanteni moy Boulaye Dia parce que néna amul compétition bo xamanteni war nako mëna wo ci Ligue nationale du Sénégal. Donc motax mu dali koy remplacer nga xamanteni moy Serigne Diallo, mo xamanteni championnat Serie B la nek, ñu def lo xamanteni ñu am solo trop. Donc bo xolé équipe bi presque il y a les cadres qui sont là, il y a encore des jeunes et un nouveau également qui évolue. Serif fin de mars bi ñewona ñewana encore ci mois de juin bi pour quelques ñaar jonté. Abdallah Sima qui revient en force après sa blessure ñewana. Jackson également sera très attendu, auteur d'une bonne saison avec Chelsea quand même, double 14 buts en championnat d'Angleterre, c'est pas donné à tout le monde. Donc Nicolas Jackson ñewana. Aliou Cissé waxna ci mom sa ci conférence de presse bi dal na né mo xamné moy Jackson, bon le fait que les gens nak dafa doon titulaire équipe nationale Sénégal wala ak soom def ni wala doon titulaire, Aliou Cissé tenir na à répondre néna Nicolas Jackson pour mu nek titulaire équipe nationale Sénégal ça dépend lui, dépend nga xamanteni moy Aliou Cissé, mais ça dépend lui, ça dépend lui comment mom mo wara woné lan mo tawal doon titulaire. Parce que en attaque, il y a la concurrence, il y a des garçons comme Sadio Mané, il y a Habib Diallo, il y a Abdallah Sima, il y a également Serigne Diaye. Nous n'avons pas de titulaire, on a un football titulaire plus tôt, on a également joué en attaque de pointe. Donc, c'est à Nicolas Jackson de montrer il a déjà les qualités, il a déjà le talent. Mën na lu ñu def, mën na ko, mais moom moo war a imposé en équipe nationale. Wan na ni mën na lëru bëri bu muy jouer Chelsea mën na ko jouer en équipe nationale. Aliou Cissé loolu la wax, nee na Jackson bu bëggee nekk titulaire moom moo ko war a liggéey, moom moo war a prouver la moo ta waroon titulaire. Bien vrai que ci nga xamante ni may Kane bi Diallo football woon amuwoon temps de jeu bu bëri ci Kane bi, beaucoup de gens ou bien d' observateurs plutôt l' ont décrié certes, mais Aliou Cissé nee na bokk na ñoo xamante ni les premières personnes qui ont donné Jackson confiance à l'équipe nationale du Sénégal. Parce qu'on se souvient, en 2022, absence Sadio Mané, Jackson est venu à la Coupe du Monde, il est venu à jouer quelques bouts de match. Bob du Bury Sénégal, il est venu à Jackson, que Jackson a été à Villarreal. Aliou Cissé néna mom mo gëna xam Jackson que ñi nga xamanteni ñoo nekk di critiquer na la tuddu football lo parce qu'il connaît le joueur, ses qualités, comme nous ko waxé rek. Donc ça dépend de lui. Donc mën ngeen xalaat ni match yi Sénégal RB Congo inshallah le 6 juin lay doon. Bi nga xamanteni moy stade Maître Abdoulaye Wade Félix Diop Niangio, match vraiment difficile d'autant plus que équipe bu ñuy footballal dafa équipe bo xamanteni dafa def ben jaloore bu reuy fele ci Kane bi Diallo bi muy jël 4e gannaaw bu len Côte d'Ivoire dañé en demi-finale ñen ñu mujjé daali jël 4e. Donc je pense que le Sénégal va jouer contre la RD Congo, match bu décisif la. Ensuite pour la 3e journée, 4e journée bi na dem wa ce que xam na mo xani. Donc passe aller Dieng ni dougu ci phase retour. Aliou Cissé wax nako néna ñu jël match yi très au sérieux, faire le carton plein, c'est-à-dire ci ñaari match yi jema gagner inshallah pour am 6 points, mëna préparer sereinement les matchs retour. Parce que ci pool bi ku jël ci pé mo may quelque traitement coup du monde, donc war du nek lu yomb. Donc joueur yi staff bi le sélectionneur xam na leen di xaar. Donc ñu ngi yaakaar inshallah l'équipe nationale du Sénégal dina wala gëna mëna xar kanam bu bess tant plus que ci ñaari match ñëk yi gannaaw bi amé ndam ñu ngi Sudan du Sud ñu dem Félix Lamine ñi le ko xone moy Togo. Donc on doit quand même se lancer et gagner nos deux matchs pour être leader de notre groupe et préparer les autres événements. Donc je pense qu'Aliou Cissé comme ñu ko waxé né regroupement bi c'est inshallah à partir de 27 lundi bi le regroupement a commencé. Il y aura des séances d'entraînement qui sont ouvertes au public. D'autres séances qui sont 15 000 ouvertes. D'autres intégralités, il y en a qui sont comme il a l'habitude de le faire. Après, Inch'Allah, ils vont jouer le match de 6 avant de s'envoler à la Mauritanie pour rencontrer les Mourad. Donc, il y a une idée pour ces premiers. Il y a les chroniques d'Aziz. Chaque semaine, Inch'Allah, sur la chaîne Espoir Inter. Il y a un nom qui est le colonel d'Aziz, il y a un premier numéro. Vous pouvez également poser des questions. Il y a un colonel, Inch'Allah, il y a un tonto. Si le sport est bien, il y a un que ce soit le football, le handball, le volleyball, le basket, le même NBA, ça fait le. Il y a un homme qui pose des questions, Inch'Allah, si vous posez des questions, Inch'Allah, il y a un répondre.
dañ jox di dajé prochaine pour un nouveau numéro sur Espoir Inter.net.